Le théorème d'inversion locale dit la chose suivante. On se donne une fonction f définie sur un ouvert U d'un espace de Banach grand X à valeur dans un espace Y, et on va supposer deux choses. D'une part, on va supposer que f est de classe CP avec p supérieur ou égal à 1 au voisinage d'un point fixé U0 dans l'ouvert grand U. Et on va supposer de plus que la différentielle de f au point U0 est une bijection. Sous ces deux hypothèses, on peut conclure que f est un diffeomorphisme local de classe CP au voisinage de U0. Alors d'abord, essayons de traduire la conclusion de ce théorème. Qu'est-ce que c'est qu'un diffeomorphisme local au voisinage de U0? C'est une fonction grand F et deux voisinages V et W respectivement de U0 et de son image. Donc montrons qu'il existe un V, un voisinage de U0, et W, un voisinage de l'image de U0, j'écris, je note F0 ici, qui soit tel que lorsque je prends la restriction de F à V, l'image se retrouve dans W, et de plus, F soit une bijection dont l'inverse a la régularité de F, dont l'inverse F-1 est de classe CP. Donc c'est ça qu'il nous reste à faire et remarquez au passage que nous avons donc à trouver deux voisinages V et W pour lesquels la propriété d'être bijective soit vraie. Donc ça sera la première étape. Et la deuxième étape, une fois qu'on a montré l'aspect bijectif de F, ce sera de montrer que l'application réciproque de F est bien elle aussi de classe CP sur W. D'accord. Alors, pour le voisinage W, on cherchera W de la forme W qui est égale à une boule de rayon R centré en F0. Et quel sera V? Eh bien, ce sera l'ensemble des antécédents. F-1 de W. Et on verra qu'on peut le choisir inclus dans une petite boule de taille epsilon centrée en U0. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut toujours supposer que U0 est égal à 0 et que l'image de U0 est égale également à 0. Donc prenez 1 minute pour démontrer ce résultat, mettez la vidéo sur pause. Voilà, normalement, vous avez dû établir que comment est-ce qu'on fait pour se ramener au cas où U0 est nul et F0 est nul? Hein? Il suffit de travailler non pas avec le F de départ, là c'était grand F, ici je m'aperçois j'ai mis un petit F, pardon, c'est un grand F, hein? Mais il suffit de travailler avec une fonction g qui va être la translatée de f, c'est-à-dire que on va translater à la fois dans x pour se ramener à l'origine de x, et puis on va le faire également dans la variable d'arrivée grand y, de sorte à ce que cette nouvelle fonction g vérifie bien g de 0 est égal à 0. Et toutes les autres hypothèses par translation sont vérifiées, le fait que g de classe CP est automatique et que sa différentielle en 0 est nulle. Donc dorénavant, je suppose que U0 est nul et F0 est nul. Bien. Et alors maintenant, on va essayer donc de montrer que on a bien un voisinage W qui a une boule centrée en 0 de rayon R à fixer, tel que F soit une bijection de V sur W. Alors comment on va faire ça? Eh bien, dire que c'est une bijection, ça veut dire que on doit résoudre une équation. On doit résoudre l'équation f de u est égal à f pour un petit f qui appartient donc à cette boule BR, centrée à l'origine de grand Y. Et on doit la résoudre pour une inconnue u
qui va être unique dans V. Une unique solution de cette équation-là. Donc c'est ça qu'on a à résoudre, c'est l'équation f de u égale à f, où le paramètre petit f est fixé et où on cherche u. Donc comment faire pour résoudre cette équation-là? On ne sait pas encore inverser f, on ne peut pas le faire tout de suite. Donc on va exploiter nos hypothèses et nous dire bon, bah, que si f est petit, probablement qu'on peut chercher u petit, hein, on veut u dans un voisinage de u0 égale à 0. Et donc ce qu'on a envie de faire, c'est d'écrire le fait que f est différenciable en 0. Donc j'y vais, f de u c'est f de 0, plus différentiel de f en 0 calculé contre u, plus un reste qui est donc un petit taux de la norme de u. C'est la définition d'une fonction différenciable en 0. Et on veut donc que tout ça, ça soit égal à f. Alors on a dit qu'on a supposé f de 0 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que si on oublie temporairement le petit u, on a à résoudre l'équation df de 0 appliquée à u est égal à f. Et ça, on va savoir faire ça, parce qu'on sait que df en 0 est une bijection. Alors, sauf que j'ai oublié le petit taux. Donc, on revient. Notre problème à résoudre, c'est df de 0 appliqué à u est égal à f, à une erreur près, qui est le petit taux, et que j'écris donc à droite comme un terme d'erreur, ou encore à dire que u va être égal à l'application inverse de df en 0, calculée contre le vecteur f moins petit taux de norme de u. Et au fait, qui est ce petit taux? Ben, il suffit de reprendre sa définition, c'était dans le développement limité qui est ici qu'on a trouvé. Petit taux de u, ça n'est rien d'autre que f de u moins f de 0 qui vaut 0, moins df de 0 en u. Et alors, vous voyez ce qu'on a écrit maintenant. On a écrit à droite une quantité qu'on peut renommer et appeler g de u. Autrement dit, le problème qui nous reste à résoudre, c'est pour un f donné dans une boule de rayon R, trouver un point fixe de la fonction grand G. Eh bien, ça, nous pouvons le faire si on a montré que g est une application contractante. Donc, montrons que pour epsilon positif bien choisi, l'application G définie sur la boule de rayon epsilon fermée atterrit dans la boule de rayon epsilon fermée et que c'est une contraction. Donc il y a deux choses à faire. Contraction stricte. La première chose, c'est de vérifier que si on regarde l'image d'un vecteur u dans la boule de rayon epsilon par g, on tombe dans cette même boule. C'est-à-dire, il nous faut estimer la norme de g de u si la norme de u est inférieure ou égale à epsilon. Donc, on revient à la définition de g de u, et c'était la différentielle de f en 0 inversée appliquée au vecteur f moins f de u moins df de 0 appliqué à u. Bien, alors l'application df de 0, c'est la différentielle de f en 0, et donc par définition, c'est une application linéaire continue. Son inverse, puisqu'on travaille sur des espaces de Banach, par le théorème de Banach, est une application linéaire continue aussi. Donc on va pouvoir majorer ça par la norme opérateur de l'inverse de df de 0 fois la norme de l'accroissement, qui est f moins f de u, moins différentiel de f en 0, appliqué à u. Bien. Alors, ça, c'est une constante. Donc, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler k. Donc, tout est majoré par k. Et maintenant, il nous reste le membre de droite, que je vais séparer en deux morceaux. La norme de f plus la norme de f de u moins la différentielle de f de 0 appliquée à u, par l'inégalité triangulaire. Bien. Alors, il faut nous rappeler que cette quantité-là, f de u moins df de 0 appliquée à u, c'était exactement notre petit taux de u. Donc, c'est quelque chose qui est petit
devant la norme de U si la norme de U elle-même est petite. Donc je peux dire que cette quantité-là, elle est majorée par epsilon sur 2 fois la constante K. Donc ça va être la définition d'une quantité que j'appelle R, si epsilon est petit. Je répète, c'est la définition d'un petit taux de U. Norme de U, on l'a supposé dans la boule de rayon epsilon, donc plus petit qu'un epsilon fixé. Je peux bien avoir quelque chose qui est bien plus petit que epsilon, donc plus petit que 1 sur 2k fois epsilon, si je prends epsilon suffisamment petit. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette quantité-là? Eh bien, vous voyez, quand on multiplie par k, déjà, ce morceau-là va nous générer un epsilon sur 2. Donc la dernière chose à faire, c'est de majorer ce truc-là. Mais justement, on a appelé R la quantité epsilon sur 2k, donc cette quantité-là, elle est par définition de f appartenant à la boule de rayon R majorée par R. Donc toute cette quantité est finalement majorée par epsilon, et on a bien démontré que G envoyait la boule fermée B epsilon dans elle-même. Montrons à présent le caractère contractant de la fonction G. Donc deuxième estimation à faire. On regarde g de u moins g de v et il nous faut estimer la norme de cette chose-là. Bien, donc on reprend la définition qui est encore ici. Ça devient df de 0 appliqué à donc cette quantité-là calculée en u moins la même chose calculée en v, donc qui va nous donner du f de v moins f de u moins df de 0 appliqué AV moins U, et la norme de tout ça à calculer. Donc comme tout à l'heure, on va majorer par la norme opérateur de l'inverse de df de 0, qui nous sort la constante k qu'on avait vue tout à l'heure, et puis il nous reste la norme de ce vecteur-là, que je vais appeler V, E, pardon. Il manquait une parenthèse. Ok, donc il nous reste à estimer la norme de E. Alors qui est E? E, c'est f de v moins f de u moins la différentielle de f en 0 fois du v moins u. Et alors là, on va se souvenir de la démonstration qu'on avait vue sur le théorème de l'inégalité des accroissements finis en réécrivant f de v moins f de u comme l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée par rapport à t de la fonction f de u plus t fois v moins u. Donc, cette quantité qui apparaît pour la première partie est toujours notre df de 0 calculé contre le vecteur v moins u. Bien, et alors finalement, cette quantité-là ne dépend pas de t, donc je peux la passer à l'intérieur de l'intégrale et dire que tout ça c'est égal. Donc d'abord on applique le théorème des fonctions composées, on va obtenir la différentielle de f au point u plus t fois v moins u calculé contre le vecteur v moins u, donc c'est le calcul de cette dérivée-là, et puis moins le df de 0 appliqué au vecteur v moins u dt. Bien, alors vous voyez qu'il y a un v moins u qui se factorise à droite, donc on obtient l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la différentielle de f au point u plus t fois v moins u moins la différentielle de f au point 0, tout ça calculé contre le vecteur v moins u dt. Bon, alors maintenant qu'on a écrit E sous cette forme, on peut majorer la norme de E. Eh bien, par quoi? Eh bien, d'abord, il va y avoir le sup des df de u plus t fois v moins u moins df de 0 pris en norme opérateur sur tous les t dans l'intervalle 0,1, fois la norme de v moins u. Ok, donc on a fait apparaître la norme de v moins u dont on aura besoin pour montrer l'aspect contractant de g de u moins g de v. Il nous reste à estimer ce sup-là. La dernière hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée, c'est le fait que la fonction f est de classe au moins C1, et même de classe CP. Et donc ça veut dire que la différentielle de f, vu comme application, est une fonction qui est continue. Donc, si le vecteur qui est ici est proche de l'origine, ce sup-là sera très petit.
Or, c'est le cas, vous voyez, parce qu'on a pris nos points U et nos points V dans la boule de rayon epsilon. Donc, U plus T fois V moins U est aussi dans la boule de rayon epsilon fermée. Et donc, on est proche de 0. Et on peut dire que ce sup-là, on peut certainement le majorer par 1 sur 2 fois K si epsilon est choisi petit. Alors, pourquoi 1 sur 2 fois K? Parce que maintenant, je reviens ici et j'obtiens du K fois 1 sur 2 fois k fois la norme de v moins u. Et donc, on a montré que la fonction était 1 demi lipschitzienne. Et donc, la fonction g est bien une contraction. Et on a établi le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire que la fonction grand F maintenant va être une bijection de l'ensemble grand V vers l'ensemble grand W fixé.